Why do we... My father lost it all. Sent me to the city watch. One step. What? What happened? Alexei. The throne room. Emily. Nothing I can do alone. I need to get out of here. Hey, salut tout le monde. The Godfather Dictator. Et aujourd'hui, je vous amène un commentaire en français. Pour ceux qui étaient sceptiques, si j'allais m'amener faire des commentaires en français, ben voilà, ça commence là. Puis en même temps, faites bien attention quand vous jetez un coup d'œil comme ça, c'est coin de mur, parce que c'est vraiment, vraiment facile de se faire repérer par les gardes. Bon, fait que pour mettre ça bien simple dans le fond, là, pourquoi j'ai décidé de commencer à faire ça, c'est parce que je me suis dit, il y a des personnes qui viennent sur ma chaîne que je sais qu'ils parlent français. Bon, c'est peut-être pas la majorité des gens. Ici, en passant, que j'ai fait, là, OK, juste pour vous dire un petit truc, c'est que j'ai commencé, dans le fond, la conversation de la cible. Donc, après ça, moi, je suis pas obligé de rester dans la même pièce. J'ai juste à attendre, dans le fond, qu'ils viennent, si tu veux, dans cette partie-là de la map. Puis après ça, moi, je vais pouvoir le knock-out, puis l'amener, dans le fond, dans la pièce secrète. Donc, pour revenir à ce que je disais, pourquoi j'ai commencé à faire ça, c'est parce que je me suis dit, justement, il y a du monde qui parle français, je le sais. Puis je me suis dit, ça va nous faire une deuxième audience, si possible. Je me dis, tu sais, le français, c'est ma langue maternelle. Donc, je suis meilleur en français que je suis en anglais. OK? Même si, par exemple, si quelqu'un qui vient de France va pas nécessairement comprendre mon accent, je pourrais faire un accent français de France, mais ça serait forcé parce que c'est pas ma façon normale de parler, donc... Mais, ce que je voulais dire, c'est que ça va vous donner un avantage, les personnes qui parlent français. Puis ça, c'est pas une affaire de favoritisme. C'est juste que je vais peut-être pouvoir donner des meilleurs trucs en français que je peux en anglais. Parce que, des fois, je sais qu'il y a certains mots que j'essaye d'expliquer en anglais, que c'est pas nécessairement 100% la précision, mettons, du mot que je voudrais choisir. Tandis qu'en français, je sais exactement ce que je veux dire. Fait que quand... qui va avoir un truc précis à montrer, ben, je vais pouvoir le partager avec vous, puis ça va être pas mal plus facile pour moi, ça va être plus fluide. Là aussi, là, un truc, là, c'est que si, mettons, là, tu knocks le gars à un autre endroit que ça, OK, la cinématique de lui qui prend la bague, là, ça prend du temps, ça, hein. Fait que si t'es dans le milieu de nulle part, tu knocks le gars, puis tu le fouilles après, c'est quasiment sûr que tu vas te faire pogner. Là, ici, là, si tu peux regarder sur le coin, là, je regarde à peine, je veux même pas voir la face du garde, OK? Je veux même pas la voir, sa face. Parce que si je vois sa face, OK, ben lui, il me voit. Parce que c'est de même sur cette difficulté-là. Honnêtement, moi, je trouve ça un petit peu, tu sais, ça, c'est personnel, là, mais je trouve ça un petit peu exagéré. Le niveau de difficulté dans celui-là comparativement à l'autre, very hard. Parce que, à, mettons, Dishonored, le normal, le premier, bon... Quand là, tu checkais ces coins là pour jeter un coup d'œil, si tu veux, là, ces coins de mur là. Bon, ben peu importe comment tu t'étirais, là, les gardes, ils pouvaient pas te voir, colique, OK? C'est simple de même, quand même que. Même t'aurais voulu te faire spotter, là, il aurait fallu que tu te tasses comme un épée et que tu te mettes vraiment dans leur vue. Mais dans ce jeu-là, c'est comme si tu veux, s'ils ont le concept réaliste de la vraie vie, où ce que si tu checkerais sur le coin d'un mur, ben ta tête elle sortirait un peu puis quelqu'un la verrait. Sauf que là, ça, qu'est-ce que ça fait, là? C'est que ça fait qu'il faut vraiment que tu checkes super rapidement, comme une fois, puis là, après ça, tu reviennes. Parce que sinon, là, si tu restes là, mettons, dans la même position penchée, là, ben, maintenant, les gardes, ils vont te spotter. Puis, tu sais, c'est vraiment merdique, là, parce que je sais pas combien de fois ça m'est arrivé au début, puis j'étais là, c'est quoi ça? Combien de la stine marde? Je me fais spotter ces coins. Tu sais, moi, je me disais, c'est peut-être moi qui bouge. C'est pas comme du monde ou quelque chose de même, je me dis, j'étais peut-être mal placé, mon angle, il est tout croche, je sais pas. Mais, c'était pas ça dans le fond, c'était pas ça pas à tout, c'est vraiment les gardes, si tu te places,
sur le coin d'un mur, puis tu sors ta tête trop longtemps pour jeter un coup d'œil, ben tu vas te faire spot, puis c'est simple de même. Là aussi, ici, là, j'ai pas dit bien les trucs, là, dans le sens que vous avez vu que j'ai transporté le corps après, j'ai juste attendu, puis là, ici, la route est importante. Ben, la route que je prends, là, ok, il y a plein de chemins dans ce jeu-là, là, honnêtement, là. Si tu te dépêches de même au début aussi, tu peux monter à droite après. Tu peux t'en aller vers la droite, puis il y a un chemin aussi vers la droite. Mais là, moi, pourquoi je suis allé vers la gauche, là, c'est juste que je voulais y aller plus rapidement. Sauf que ici, ça rajoute. C'est un plus grand risque que si tu vas vers la droite. Parce que vers la droite, à un moment donné, il y a un long chemin, puis que ça t'amène dans une ruelle, c'est tranquille. Là, ici, moi, je regarde sa face, là, cette garde-là, ou à gauche. Puis aussitôt qu'il va se tourner pour commencer son discours, moi, je bouge, OK? Puis là, ici, c'est une autre place importante. Quand je saute d'avance ici, OK? Parce que sinon, là, ça va faire le mouvement du personnage qui grimpe par-dessus l'obstacle, OK? Puis, cette petite fraction-là de seconde extra, ça va faire que, si tu veux, son éclair au-dessus de sa tête va devenir rouge, puis il risque de te spotter. Là aussi, ici, honnêtement, j'ai été crissement plein de marde, là, OK? Parce qu'il vient investiguer en bas, puis il retourne avant de me voir. Regarde, là, son éclair est à... Une fraction de seconde de plus, je me faisais spot, OK? Mais dans le meilleur des mondes, pour vrai, c'est qu'avant de jumper, il te spot, pas au complet. Bien sûr, si ça fait là, en rouge au complet, tu t'es fait spotter, ça t'enlève ton ghost, t'oublies ça. Mais sinon, OK, lui, il te spot, puis il va courir en bas. Puis si tu te caches dans le coin où c'est que j'étais, normalement, il passe devant toi. Moi, c'est arrivé une couple de fois là, que ça s'est passé de même. Mais ça, je dis, c'est le meilleur des mondes. Là, pour vrai, j'ai juste été crissement plein de marde de pas me faire spotter, parce que, regarde, il était dans ma face. Là. Il était vraiment dans ma face, puis j'aurais pu me faire spotter super, super facilement. Là, ici aussi, une autre stratégie. Si tu as été par la droite, là, tu peux utiliser les obstacles vers le haut. Là, moi, j'attends que ce garde-là, il surveille d'abord, qu'il marche dans l'autre direction, puis là, moi, je vais passer en arrière de ce garde-là juste ici. Bien sûr, c'est risqué, là, honnêtement, mais la stratégie est bonne, puis c'est relativement rapide, parce que tu n'as pas à faire tout le tour après. Puis là, la dernière affaire qu'il faut faire attention quand on arrive à la fin de la mission comme ça, c'est qu'il y a deux, c'est pas des gardes ça, c'est, ils les appellent je pense les Hatter Gang, quelque chose comme ça, c'est la gang des chapeaux. Puis, faut que tu fasses attention pendant qu'ils sont en train d'avoir la conversation, mais aussitôt que la conversation est finie, ça c'est juste une affaire de patience, il y a aucun skill, t'as besoin d'aucun skill pour faire ça, là, pour attendre. Dans le sens que si tu cours comme un câble et tu te fais spot là, ben là, c'est, t'as fait quelque chose de pas correct. Mais là, t'attends que la conversation soit complètement finie. Puis après ça, nous, on va dropper dans l'eau. Puis on va nager jusqu'au bateau, dans le fond. Puis, tu sais, ça, c'est crissement facile comme stratégie à la fin, là, ben honnêtement. Là, dans le sens que même là, moi, j'aurais pu courir. Une affaire aussi que j'aime bien dans ce jeu-là, par exemple, comparativement à l'autre, c'est que quand on nage, on peut nager plus vite. Ah, ça, c'est le fun. Dans l'autre, des fois, t'étais là, tu nageais, puis moi, j'étais comme sacrément, je pourrais pas nager plus vite, puis arriver à mon point, à mon objectif le plus vite possible. Bon. Fait que, moi, je suis rendu à la fin de la mission, dans le fond, puis vous allez voir mon rang. Là, c'est toute la même mission. Bien sûr, c'est pas une mission différente. Là. Je ferai un commentaire anglais, un commentaire français, un pas de commentaire. Fait que, en tout cas, pour ceux qui parlent français, honnêtement, puis vous êtes nouveau sur ma chaîne, ben, dites-le aux autres que je vais commencer à faire des commentaires en français. Puis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez une like. Puis, c'est à peu près ça. Je vais vous voir à la prochaine vidéo, guys. Peace out.